Allez, c'est la dernière partie d'Y'a plus qu'à et un très gros programme pour cette dernière partie. On va parler d'accordéon avec le Festival National d'Accordéon et un des musiciens qui seront présents pour ce festival, Guillaume Frick, bonsoir. Bonsoir à tous. Direct de Rodez, là, avec l'accent en plus. J'arrive de Rodez. Bon, bah, bienvenue dans la Sarthe et bienvenue sur le plateau d'LMTV. Je vais saluer un qui est très habitué d'LMTV, bien sûr, notre monsieur accordéon sur LMTV. Grâce à qui on peut vous recevoir aujourd'hui, Pascal Savard, ça va Pascal? Bonsoir à tous, oui ça va très bien. Bienvenue sur le plateau d'Y'a plus qu'à, ça fait très plaisir de vous recevoir. On va saluer notre chroniqueuse si vous voulez bien, Pascal. Alison, ça va bien Alison? Oui, ça va très bien. On va bien manger avec vous comme d'habitude, en tout cas on va apprendre à faire ce qui est présenté ici tout à l'heure. Des petits gâteaux pour le café. Allez, on commence avec vous Pascal si vous le voulez bien. On va parler de ce festival national d'accordéon dans lequel Guillaume Frick sera présent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce festival, Pascal? Nous le résumer, qui existe depuis longtemps, ce festival aussi. Alors, ce festival national d'accordéon a été organisé et préparé et créé par Daniel Pichon, le monsieur Poulux, comme on dit, dans la Sarthe. Et donc, ce week-end aura lieu donc l'édition à Montfort-le-Génois. Ça fait, alors, ça sera le dimanche 24 novembre. Ça fait donc 4 ans qu'on est donc à Montfort-le-Génois pour le plus grand plaisir des danseurs du département, mais de la grande région ouest, puisque certains viennent de très loin. Tout l'après-midi, dès le midi en fait, jusqu'à la fin de l'après-midi. Jusqu'à la fin de l'après-midi avec un programme très, très dansant et très, très varié avec des surprises qu'on met en place. Alors, en dehors de Guillaume, est-ce qu'on peut voir rapidement qui est-ce qu'on aura, Pascal? Eh bien, on aura Estelle Laroche. Oui. Estelle Laroche, originaire du Loir-et-Cher, qu'on a reçue. Et qu'on voit d'ailleurs, parce que ça c'est très bientôt les images qu'on vous a chippées là comme ça. Ah oui, c'est ça, c'est l'émission de vendredi prochain. Qu'on retrouve vendredi prochain sur les télés, après il n'y a plus qu'à, voilà. Voilà, donc l'accordéon c'est une autre forme, avec donc partie variété, donc Estelle sera présent. Il y aura aussi, donc entre autres, Vincent Brem, donc un accordéoniste, voilà. Vincent Brem, il y aura donc Bénédicte Gelin. C'est une sartoise qui a commencé fin 89, qui a obtenu le titre de révélation Sarthe en 2001, puisqu'il faut savoir que le Festival National d'Accordéon a une particularité, c'est de faire naître des jeunes, de les accompagner sur scène dans leur carrière artistique. Et en 2001, elle a obtenu donc le titre de révélation Sarthe. Ensuite, eh bien, elle a fait son petit bonhomme de chemin. Elle a été au cinéma, au Centre national et international de l'accordéon à La Rode. Et puis elle a grandi toute seule. Sans parler des choses dans le milieu de l'accordéon, c'est incroyable. On en parle avec vous, Guillaume, parce qu'il y a beaucoup de concours, etc. Vous avez participé à de nombreux concours, et puis vous en avez gagné aussi. On verra ça tout à l'heure. Et puis il y aura bien sûr Guillaume. Et puis il y aura donc Guillaume avec sa double casquette. Ah, il a deux casquettes, Guillaume. Il a deux casquettes. Oui, il a deux casquettes. Ah. Eh bien, on va voir ça tout à l'heure, mais c'est quoi? Allez, si dites-nous les deux casquettes. Les deux casquettes, c'est variété. D'accord. Partie concours, et puis la partie musette, eh bien, elle sera donc pour danser. Bon. On découvre ça juste après, mais on va apprendre à cuisiner, si vous voulez bien, Guillaume. Ah oui, je veux bien. Ah, ça vous donne temps, parce qu'il y a des choses sur le plateau. Surtout, comment ça va faire? Ça sent bon. Hein. Surtout qu'il vient quand même d'une région où la bouffe... On s'est mangé, exactement. Bah écoutez, on va voir si... j'espère qu'Alison va bien s'en sortir. Oui, il y a la pression. Un peu attention, peur, du coup. Hein. Attention, la pression. Il n'y a plus qu'à cuisiner, bien sûr, avec Alison Joubert. On fait quoi cette semaine? Eh bien, moi, j'ai voulu réchauffer un petit peu nos papilles, parce qu'il fait très froid en ce moment, hein, surtout aujourd'hui. Donc, du coup, je vous ai proposé d'accompagner vos petits goûters ou vos desserts avec un cake et des saveurs assez épicées, en fait, à nouveau. Hein, la dernière fois, je vous ai proposé un pain d'épices. Là, du coup, on va repartir sur des saveurs épicées et de la cannelle, surtout. Puisqu'on va utiliser donc ces petits gâteaux, là, que vous avez montré tout à l'heure, qui sont à base de cannelle. Au milieu de cette image, voilà. Donc, on ne dira pas la marque, mais qui est une marque très connue. C'est voilà. Ça, tout à fait. Donc, on va commencer par faire préchauffer notre four. D'accord. Oui, le temps qu'on prépare nos ingrédients, bien sûr. Pour cela... Donc, on va prendre les petits gâteaux à la cannelle, excusez-moi. Les gâteaux. Les petits gâteaux. Et on va les réduire en poudre, en fait. On va les mixer. Donc, après, chacun utilise ce qu'il veut, mais il faut que ça fasse de la chapelure. Donc, vraiment une poudre fine. Et dans un récipient à côté, on va prendre un œuf. On va le battre. On va y ajouter progressivement le sucre.
on va à nouveau battre. En fait, on va ajouter les ingrédients petit à petit, régulièrement, tout en battant la préparation. Ça va, Guillaume, pour l'instant, ça sort comme il faut ou pas ? C'est pas mal. Hein. Ça va. C'est arrivé, continuez. Ensuite, on va y ajouter donc, une petite note de gingembre, un peu de cannelle. Ouais, Pascal, ouais, ouais. C'est quoi ce petit Pascal? Non, mais... Un petit peu de cannelle, la chapelure, du coup, elle arrive ici. Et ensuite, on va bien mélanger, on va bien remuer tout ça. Et puis, petit à petit, on va à nouveau ajouter la crème, un petit peu de café. Du café. Eh oui, un tout petit peu de café pour noter du café, du fait, liquide quoi, de café liquide, là, fort, oui liquide. Je pose des questions parce que moi je cuisine pas du tout, Guillaume. Alors ça pour le coup je suis. Du café, donc vous passez votre café et vous le rajoutez dans la préparation. Un peu de miel, de la farine, de la levure, du sel et on mélange. Jusque là ça va. Ensuite, une fois que c'est prêt, vous prenez votre moule. De préférence, vous prenez les moules en silicone parce que ça se démoule plus facilement derrière. Vous sortez votre grille. Comme je dis à chaque fois, on prend une grille froide. On met le moule dessus. On ajoute la moitié de la préparation dans le moule. D'accord. Jusque-là, ça va ? Ah, il faut laisser la place parce que ça va gonfler, c'est ça, hein ? En fait, non, c'est pas que non. Ça va gonfler. C'est que justement, on va y ajouter les petits gâteaux, là. Ah, on les a pas mis encore, les petits gâteaux. Voilà. On va mettre le petit gâteau. Quand je vous dis que je suis pas douée, parce que... On va mettre le petit gâteau au milieu, en fait. Et... Après, on va y ajouter de la pâte de ces gâteaux. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme les pâtes à tartiner au chocolat. Ah d'accord. Mais il existe une pâte en fait qu'on va ajouter, qu'on va faire fondre et qu'on va ajouter à ce moment-là au milieu du gâteau finalement. D'accord. Et ensuite, on ajoute le reste de la préparation dans chacun. Donc là, je vous ai montré sur des petits moules, mais vous pouvez aussi le faire dans un moule à cake. Comme on a ici voilà. Sur le plateau avec je vous ai proposé les deux, effectivement. Ah, non, mais directement le gâteau comme ça. Alors, voilà. Donc voyez, on met les petits gâteaux et ensuite on va remettre la pâte à tartiner et ensuite on met tout ça au four pendant 35 à 40 minutes à thermostat 6, pareil, 180 degrés. Et ça donne ce qu'on a effectivement en plateau, c'est joli, en plateau. Ce soir. Voilà. Donc on voit bien au milieu. Alors, je vais peut-être en découper un autre. Découper, on voit bien. Effectivement, au milieu le gâteau. Gâteau à l'image et puis sur le serre-là. Ah bah oui, on voit le gâteau qu'on voilà. A senti en fait. Donc là, il a un petit peu bougé, a priori, celui-ci. Mais c'est le gingembre qui l'a fait. Ah bah oui. Donc voilà. C'est terminé. Donc ça sent très bon. Excusez-moi, cher ami, parce que je suis parti juste au moment. Voilà. J'étais méchant avec le cadreur. Voilà, on le voit bien, ce joli gâteau ici. Merci, Alison. Ben, de rien. Ah ben voilà, ça prend combien de temps pour faire tout ça ? Il faut compter 20 minutes pour la préparation et ensuite 35-40 minutes pour la cuisson. Bon, bah et super. Combien de temps pour le déguster ? Ah ben ça, je crois que c'est beaucoup plus rapide. Avec un, oui, j'ai oublié de dire, avec un petit café du coup, ah bah oui, pour le coup. Et éventuellement une boule de glace vanille, ça passe très bien avec. Ça passe bien avec ça. Oui. Bah, on va tester, on en a quelques-uns, là, on va pas vous laisser partir avec, rassurez-moi. On va commencer, on va parler avec Guillaume un peu avant, mais vous restez là, on les garde sous surveillance. Oui, oui. Allez, c'est parti, on part du Festival National d'Accordéon. On parle de ce festival avec Guillaume, puisque vous êtes donc au programme de cette séance de Montfort, le Génois. On disait, vous venez de Rodez, donc voilà, un petit trajet pour venir jusqu'à nous. Pourquoi vous êtes venu jusqu'à nous ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu dans ce festival ? Première chose, pourquoi vous venez en Sarthe ? Je suis venu ici parce que la première mission télé que j'ai faite, c'est avec Pascal, donc déjà, on connaît un petit peu, et puis c'est grâce à Pascal. Et ensuite, l'organisateur m'avait déjà proposé le festival d'accordéon, le Festival National d'accordéon. Et c'est super sympa. Et ça vous plaît, donc vous revenez. Vous avez commencé super jeune, l'accordéon. Oui, ouais, assez jeune. Mais vous avez fait un peu un break à un moment. Enfin, vous en avez fait, vous n'en avez pas fait. Et hop, il y a un moment, vous vous êtes dit, non, c'est vraiment mon truc, je m'y mets à fond, quoi. Alors exactement, j'ai pas jamais arrêté. J'ai juste un parcours scolaire et après, mes parents n'étaient pas musiciens, donc il ne faut pas faire la musique, mais c'est à côté, quoi, la musique. Donc j'ai jamais arrêté, j'ai continué la musique et j'ai trouvé un boulot après mes études. Mais il y a un moment où vous avez dit, bon voilà, c'est revenu en premier plan. Quoi. C'est une rencontre en fait. Ouais. Professeur Frédéric Deschamps, qui est assez connu dans le monde d'accordéon. Ah bah qu'on connaît chez nous, qu'on a le plaisir, non pas de recevoir, mais d'avoir par visioconférence ici. Et qu'on reçoit aussi dans les coulisses, puisqu'à chaque fois qu'il y a des invités internationaux, Frédéric Deschamps, qui est président de la Confédération mondiale de l'accordéon, est présent ici. Il a toujours sa chaîne là sur laquelle il a toujours sa chaîne, voilà. Voilà. Et notre émission est diffusée aussi sur sa chaîne. Donc l'émission est diffusée internationalement, au bonheur de Nacon. Ça, c'est la classe. Ah ouais, c'est la classe. oui. Ça, c'est la classe. Et plus de 350 000 visions sur minutes de visionnage sur le web. Ah ben, bah, ça cartonne, ça. Cartonne, on sait bien. Et puis, on sait bien aussi sur la MTV que cette émission marche fort et qu'elle est très, très connue. Donc, cette rencontre, et vous avez travaillé du coup avec François Deschamps.
Frédéric Deschamps. Frédéric Deschamps, je ne sais pas. Ouais. Il y a Didier Deschamps aussi. Il y a Frédéric. Pardon, Frédéric. C'est Frédéric. Je suis désolé. Avec Frédéric, vous avez bossé. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez bossé un peu à distance déjà dans un premier temps. Ça peut se faire, ça? Ça peut se faire, oui. Je pense qu'il faut quand même avoir un contact avec le professeur quand même physique au début. Et après, par intermédiaire de Skype. C'est fou ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est incroyable. Ouais, ouais. Bon, si on décrit un petit peu votre univers, on parlait de double casquette tout à l'heure. C'est qui Guillaume Frick quand il est sur une scène? Alors, tout d'abord, j'ai commencé à prendre l'accordéon par intermédiaire d'un professeur, donc des concours. Donc des concours, des morceaux, on va dire, plutôt techniques pour apprendre. Ensuite, il a venu le temps de faire des balles, donc apprendre le musette, forcément, puisqu'en France, on a beaucoup de musette, du folklore, qui n'est pas le même dans tous les pays, mais en France, c'est plutôt le musette, donc pour faire danser. Et grâce à cette rencontre, ça a été vraiment de faire plutôt une partie concert totalement différente. On va dire que c'est peut-être un peu surprenant, parce que les gens ne connaissent pas trop cet univers de l'accordéon. J'ai organisé un festival il y a un mois chez moi et on n'a pas du tout de musette, c'était vraiment un Néo-Zélandais qui est venu, donc du classique, de la variété. Ça, on le rappelle souvent d'ailleurs, Pascal le rappelle aussi. Moi j'ai découvert ça grâce à vous, Pascal, que l'accordéon c'est extrêmement vaste, il y a vraiment de tout et il n'y a pas, surtout pas que du musette. Même si c'est très bien le musette, il y a plein d'autres choses. Ouais. Donc là, dimanche, vous nous proposerez quoi du coup, Guillaume? On va terminer là-dessus parce que c'est la fin de l'émission déjà. Certain, on va pouvoir manger. Oui, exactement. Je suis très heureux de parler avec vous, rassurez-vous, même si ça me donne envie, je vous l'accorde. Je vais commencer par une partie variété, donc tout seul, à l'acoustique. Partie concours. Un petit peu concours, est-ce que je présente pour les concours ou pour les concerts, donc durant le repas du midi à découvrir. Et ensuite, donc avec tous mes amis, Estelle Laroche d'ailleurs, qui est super orchestre aussi, on va vous faire danser. Voilà, une partie plus dense. Voilà, là, c'est le musette qui revient du coup. Ça sera surtout le musette, oui. Ah bah ouais. La population qui vient, c'est beaucoup pour le musette, puisque le festival est axé sur ça. Avec, on intègre maintenant une nouveauté, donc faire une partie plutôt concert. Donc voilà. Pour qu'on puisse découvrir les différentes facettes de l'accordéon. De l'accordéon, les nouvelles facettes aussi, ouais, bon. Un petit peu. Et on rappelle bien donc Estelle Laroche qui sera présente dans l'émission de Pascal vendredi prochain. C'est juste après, il n'y a plus qu'à. Donc voilà, vous regardez, il n'y a plus qu'à et hop, vous entrez derrière sur un bonheur de Dacre. Merci beaucoup Pascal, merci Guillaume. Merci Alison. Nous, à l'instant, on va déguster ça, mais faites ça chez vous parce que ça a l'air super bon. En fait, j'ai déjà un peu goûté, j'avoue, c'est très bon. Allez, moi, il reste une seule chose à vous dire, et ben, c'est de vous dire qu'il n'y a plus qu'à passer. Un bon week-end, ciao, à la semaine prochaine. Bon appétit.